Alors, je suis ici à table dans un petit chalet d'alpage où j'ai eu la chance d'être régalée avec une bonne assiette de rösti. Et j'ai rencontré Jacques Serre, qui est bûcheron depuis 40 ans. Jacques, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est que d'être un esprit libre ? La liberté, pour moi, c'est d'être libre, faire ce que je veux, quand je veux, que personne ne vienne me dire ce que je dois faire. Et par exemple, un exemple tout bête, le port du masque, si on te demande de le porter. Je ne suis pas d'accord, je ne le fais pas. Et comment tu résistes ? Bon, je ne suis déjà pas une personne qui vend les magasins, je ne fais pas beaucoup avec les sociétés. Je vis dans un chalet avec ma femme, je travaille en forêt, on n'est que deux. Je ne suis pas qui va me mettre dans des restaurants, si, de montagne. Mais s'il y a du monde, je n'y vais pas. J'attends que les moins de monde pour soit être libre, éviter les manifestations, ces trucs-là, quoi. S'il y a du monde dans une station ou comme ça, je ne vais pas. Je cherche le petit magasin où il y a personne, les petits magasins de village. S'il me faut quelque chose, je ne vais pas aller dans un centre. Et puis si on, par exemple, on veut t'imposer le vaccin, hein, ou un vaccin, tu vas faire, tu vas. Exclu, je ne suis pas d'accord. Mon vaccin, moi, c'est un verre de rouge. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie ? Eh ben, c'est dans la montagne. C'est de faire la montagne. D'être en-dessus des arbres. Et si tu as un conseil à donner à tes compatriotes suisses, d'une manière générale Il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils arrêtent de croire à ce qu'on nous raconte dans les médias. On nous endort debout. Puis les gens chopent peur. Faut qu'ils se réveillent, quoi. Merci. Service.